Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est Hob et on se retrouve pour le deuxième épisode de Thor. Eh oui déjà, ça passe vite. Alors je suis en compagnie de quatre nouveaux membres. Alors nous Moi, avons Exilis qui est sur la oui, gauche. c'est moi. Tu es prêt? Prêt et archi prêt. D'accord. Nous avons Lucky Hoop. Professeur. Ouais, j'ai envie de dire oups. Ensuite, nous avons Worldy74. Alors, Salut. Worldy, un petit mot avant de Fais des commencer ce jeu? minecart? Bah, je suis prêt. Enfin, je suis pas bouillant. D'accord. Sinon, Matteo le boss en dernière Ouais. position. Donc, toi, tu connais un peu le principe de ce jeu. Tu l'as vu dans le Ouais. premier épisode. Donc, qu'est-ce que tu penses de ce jeu? Tu penses que tu vas y arriver? Non. Ça sent le fail à la première question. D'accord, d'accord. Ok, bah écoutez, on va commencer quelques instants, hein, donc je vous rappelle juste vite fait le principe de ce jeu, hein, c'est vous devez répondre donc à des questions, vous devez y répondre Merci. de manière, enfin le plus possible de manière juste. Ah bon, c'est pas l'euro million. Donc Merde. si tu ne réponds pas, Et c'est merde. un éclair dans la tête. Au Si tu chocolat, réponds t'as le droit au joker. faux, c'est aussi un éclair. Voilà. Et Voilà, si tu salut. réponds bon, t'as le droit à une pomme frite. Ce qui nous mène à la question suivante que je pose à tout le monde tout de suite et maintenant. Connaissez-vous l'expression avoir un coup de foudre? Ah, c'est très drôle. Eh ben, c'est ce qui va vous arriver dans quelques instants. Ah ouais, et qui c'est qui te dit que je vais pas tout répondre bien, Cool. moi? Hein? Eh ben, on va savoir ça tout de suite, Texis, car on commence par toi avec la toute première question. Alors, es-tu prêt? I'm prêt. Oui. Ready. C'est bien, j'adore ton anglais, hein, il est magnifique. Go. Ah, attention, es-tu prêt au top départ le temps défile? Quelle est la phrase mythique que prononce Bruce Willis dans Die Hard et qui finit par pauvre con, top départ? OB est nul. Voilà. Merci, Exilis. C'est une mauvaise réponse. Alors tu sais quelle est la sentence? Ouais, ça se Elle passe de est bullshit, vivante. s'il te plaît. Et Oh putain, voilà. j'ai pris cher. J'espère que Ah, tu t'as as aimé ce pris. petit éclair. Alors Ah Lucky, bah, c'est es-tu hasard qui crée des prêt? boutons. Réponse seconde pour toi. Alors juste Ok. avant la réponse était Yippie-Kai, pauvre con. Qui dit? Hein, c'était quoi? Yippie-Kai. C'est quelle langue? C'est du japonais. Laquelle? Du japonais. T'es dans Die Hard de quoi? Qui Combien? veut dire plus clairement, bon c'est assez vulgaire hein, dans Die Hard ce qu'il dit, en fait ça veut dire va te faire foutre pauvre con. Oh, ça va. Oh. Y a tellement de gens. Alors attention, maintenant c'est au tour de Lucky Hoop. Alors es-tu prêt? Ouais, vas-y, pense à ce merguez. Donc première question, alors que fait la menthe religieuse après l'accouplement? Top départ. Oh. Oh purée. Non, moi, elle la baptise. Eh bien, écoute, ça te vaudra un beau petit éclair. Alors, plus Ouais, clairement, la religieuse menthe sinon. religieuse après Elle l'accouplement. appelle la menthe religieuse prêtre, elle le fait baptiser, c'est ça? Non. Alors, la menthe Ah non, j'aurais religieuse, c'est plutôt un dit la menthe au insecte, hein, chocolat. d'accord? C'était quoi? Donc, si elle s'accouple, c'est qu'elle est forcément avec le mâle. Et en fait, après Non. l'accouplement, la menthe religieuse mange le mâle. Ah Et oui, que c'est comme les d'or. araignées. Exactement. Ça, c'est ça, c'est quand même. Worldy, Elle est tu te trompes sympa, pas cette trop, menthe c'est à religieuse. toi. Tes deux collègues se sont Ouais. pris des éclairs. Mais il s'est pas pris d'éclair, lui. Si, il en a eu un, t'inquiète. Te Mais fie pas pourquoi à il ce est qui est toujours à marqué, 100%? hein. T'inquiète pas, il l'a eu, Un il le bug. voit, hein. Il a perdu 2 cœurs et demi, là, il le voit très bien. Alors, Worldy, question pour toi. Alors, catégorie sport. Alors, attention, en Ligue 1 de foot, combien de points par équipe rapporte un match nul? Top départ. Je sais. Je répète, hein. En Ligue 1 de foot, combien de points par équipe rapporte un match nul? C'est pas 7. Non, c'était pas 7. Match nul, hein. Les C'est deux mêmes tellement simple. chiffres. En gros, c'était un point par équipe.
Si les deux équipes Bon. ont un point chacune, ça fait match nul. Après, c'est 2 points, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors Je attention, sens que... c'est au tour de Matteo. Matteo, Merde. es-tu prêt? Je pense que tu vas aimer cette question. Ça pue, vas-y, balance. N'inquiète pas, l'équerre sera balancé juste après. Alors, où était Archimède lorsqu'il découvrit son fameux principe, la poussée d'Archimède? Top départ. Balance l'exergue dès maintenant. il était en Arabie Saoudite. Sur les fesses, ça fait du bien. Ben non. Vas-y. Alors, la réponse, c'est qu'il était tout simplement dans son bain. Ah d'accord. Ah, ça pique. Maintenant, mon bleu calbar. Bonjour. Bah écoutez, j'ai envie de dire première question pour tout le monde et puis éclair Foiré. pour tout le monde, hein. Foiré. Donc, Iglis, es-tu prêt? On entame la deuxième question. Ouais. Quel nom d'origine italienne désigne une cantatrice célèbre? Top Une départ. quoi? Une quoi? Une cantatrice célèbre. Ah, je sais. D'origine. Eh ben, Je sais pas. c'est fini. Ça fait même pas 15 secondes. Oui, ça fait même pas 15 secondes Va voir, d'ailleurs. je peux dire la réponse? Si, si, ça fait bien 15 secondes. On a vu le temps défiler derrière toi. Ça fait bien 15 secondes. Vas-y, dis la Ça, c'est pour réponse, toi. alors. C'est Bianca Castafiore. Alors, la réponse, Mathéo, tu l'avais, c'était quoi? Bianca Castafiore. Hein? Non, c'est pas ça. Non, c'était pas ça. Ok, d'accord. C'est ce que l'on appelle une diva. Oh. Ouais, bah, c'est la même. Ouais, c'est la même, ouais. Ouais, un éclair, c'est la même. Ouais. Mmh. Alors, t'es prêt, Lucky? C'est à toi, c'est la deuxième question. Yep. Quel nom porte la plus petite partie d'une image numérique? Top départ. Bon, facile. Oh putain, c'est simple. Excel? C'est bien, c'est une bonne réponse. Le gars, il a la question Putain, la plus mais facile c'était au quoi cette monde. question là? Même The Crafter, il aurait pu répondre à ça. Attention, Vandy, j'espère pour toi que tu aimes bien tout ce qui est cinéma. Hein. Alors attention, Vas-y. dans Samantha Oops, comment s'appelle la copine de Brune? Top départ. Samantha. Pas dans Lucky Hoop, hein, Samantha Oops. Non mais on voit ce qu'on C'était pas regarde, drôle. hein. Si. Je sais Un pas. éclair. Vas-y, Ah balance. bah écoute, ça te fera un éclair. Alors elle s'appelle Chantal. Montagne. Attends, je finis mon chorizo. Au calme. Allez, Mathéo, deuxième question. J'espère que tu as révisé tes classiques de Walt Disney. T'inquiète, Google est là. Je suis tombé sur moi, ça. Bon, vas-y. Bon, t'es prêt? Je te l'envoie. Malheureusement. Quel animal est Pampan dans Bambi? Top départ. Oh! Des Ça putains de la plante. simples! Qu'est-ce qu'il y a, Iglis? Des putains de simples! Oui. C'est un lapin. C'est bien, c'est la bonne réponse. Oh putain, mais C'est des le questions! jeu! Ouais, mais t'inquiète pas, ce Dis-moi, sera pas à qui? toujours aussi simple, hein. Mais moi j'ai des questions dures là. Oh, Il est t'inquiète pas, comme Iglis. Celle qui arrive, elle est très simple, tu vas l'adorer. comment Ça veut dire tu qu'elle est putain de t'appelles? compliquée. C'est ça. Quelle ville a construit le premier métro? Top départ. Quelle ville a construit le premier métro? La Rochelle. Eh ben écoute, non. Il fait genre 7. Le Creusot. Bah écoute, c'est fini. D'accord. C'était quoi? C'était Londres. Ah bah mon gars, tu y étais. C'est Londres, hein, qui a fait le premier métro. La culture. Mais qui a construit ou qui a eu? Qui a créé, enfin, qui a eu le tout premier métro, quoi. Ah, tu m'as dit qui a construit. Bon, c'est pas Qui a grave. construit, du moins. Qui a eu et construit son premier métro, quoi. Dans le monde, hein, c'est eux qui ont développé le métro, en fait. Attention, Lucky, es-tu prêt? Question suivante. Vas-y. Métropolis. Alors, j'espère que tu connais bien le Japon, hein, Lucky.
Oh yeah. Alors, au Japon, qu'est-ce qu'un Yakuza? Top départ. Un mafieux. C'est ta dernière... C'est ta... T'es sûr? Un mafieux... Mais ça aussi, c'est simple, putain. Non, destin, ouais. Eh ben, c'est bien ça, c'est un mafieux. Un non, mais c'est un mafieux. Putain, mais c'est quoi les questions qu'ils ont, sérieux, là? C'est les trucs faciles. Non, il faut savoir, c'est tout. Ah, tu vas me dire si la question suivante est facile pour toi, Worldy. Alors, attention, es-tu prêt? À quelle occasion les joueurs de football forment-ils un mur? Je sais. T'as des points. Pendant les pénaltys, non? Bon. T'as pas un autre truc à me prononcer, non? Non, non. Non? Du style un coup franc, c'était la réponse. Hein. Bon, bah, éclair, allez. Un petit éclair? Bon, Elisabeth, tu as décidé de nous quitter alors. Bah, Elisabeth, t'es disqualifié du jeu parce que tu triches. Ouais, mais fou, j'ai récupéré. Mais on m'a tué. On m'a tué. Merci, frère. On m'a tué. Alors, attention. Ça se joue entre Lucky, Worldy et Matteo le boss. Est-ce que je peux mettre l'adresse du serveur? Alors, t'es prêt? Quand même ma question d'après. Question suivante pour toi. Comment s'appelle un losange avec un angle droit? Top départ. Un carré. T'es sûr? Certain. Sûr et certain. Ouais. C'est ton dernier mot? Non, un losange. Non, un carré. Rectangle. Bah, c'est bien, c'est juste. Ouais, c'est ça. J'aurais pu dire rectangle si ça marchait. Non. Je peux juste avoir ma question que j'aurais eue. Bah, c'est simple, un coup de pied dans le cul, voilà. C'est une question, ça. C'est une affirmation. Ouais, c'est ce que tu vas voir dans pas longtemps. Oh. Alors, Lucky, on passe directement à toi. Es-tu prêt pour la toute quatrième question? Mais non, mais et cette place, elle porte malheur. Oui. Même Rhino, il a été disqualifié au bout de 3 tours. Là. Ouais. Quelle est la position du célèbre penseur de Rodin? Ça aurait été ma question. Il doit pas être si célèbre que ça, parce que je le connais pas. C'était quoi le 6ème? 56. 32. 24. Je sais pas moi. Pas de question, enfin pas de réponse, non, pour la question. Ouais. Bah, c'est simple, il est tout simplement assis. Ah, la position du... Oh, ah. Ouais, c'est chelou. Bonjour, portable. Excusez-moi. Placement de produit pour l'iPhone 5, c'est génial. Alors attention, Worldy, es-tu prêt pour ta quatrième question? Quel animal domestique est le brillard? Ton départ. Brillard. Non, c'est pas eux. Mauvaise réponse. Éclair. J'en sais rien. C'est un chien. Oui. Je le savais. Bon, bah, ça fait un éclair. Hein. Eh bien, nous venons de perdre un deuxième joueur. Oh, il est mort. Bon, bah écoute, Worldy, tu es pour toi, mais tu es... Bon. C'est fini. Le qui, t'es à quoi, fini. En vrai? T'es à combien de vies, en vrai, le qui? T'es où, Worldy? Au spawn de la pyramide, en fait. Attends, je vais te rejoindre. Alors, Mathéo, es-tu prêt pour la prochaine question? Salut, Tom. Es-tu prêt? Vas-y, prends-toi. De quelle couleur rit-on pour marquer son dépit ou son mécontentement? Répète ce qu'il est. Top départ. De quelle couleur rit-on pour marquer son dépit ou son mécontentement? Rouge. Rouge, t'es sûr? Oui. Ton dernier mot? Certain. Eh ben, il est mauvais, hein. C'est quoi? C'était jaune. Bah, c'est jaune. Rire jaune. Tu connais pas cette expression? Non. Eh ben, éclair. Merde. Ça se joue entre Lucky et Matteo. Alors, c'est juste après à rappeler jaune, à tout le monde con, que vous êtes pour l'instant ex-déco. Hein. Vous êtes tous les deux à 50% de votre vie. Oh putain, chaud. Ah oui, je craque toi, Lucky. Par conséquent, vous êtes à ex-déco et. Et donc, très bonne déduction. Bien, quoi. Alors, Lucky, es-tu prêt pour ta prochaine question? Ouais. T'as lancé le compteur sans exprès.
Alors, es-tu prêt? T'es bien concentré? Oui. Alors, en quelle matière est le petit bonhomme chanté par Patrick Sébastien? Non. Dans quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais il est sérieux, ces questions. Quoi? T'as vu les miennes, s'il te plaît. Il est en mousse. Tiens, c'est bien, ça te porte t'as bien très répondu. chance. Tiens. Il est en mousse. Non mais qu'est-ce qu'il fait lui? Va-t'en toi. Non! Oh, il a des balles. Alors on passe à Mathéo. Le méchant. Vas-y. Alors Mathéo, es-tu prêt? Question Ouais. suivante. De quelle couleur rit-on? Non, je rigole. C'est la question que je t'ai posée juste avant. Imagine, il savait pas Quel peuple répondre. a inventé la poudre à canon? Top Oh, je départ. sais. Oh putain. Oh, Exit c'est par simple. Skype, par Skype. T'es fou, toi. C'est les États-Unis. Vas-y, dis les États-Unis. États-Unis. Bah, les États-Unis, l'Allemagne. L'Allemagne? Ouais. Non! Mauvaise réponse. C'est quoi? La Chine, les Chinois. La Chine? Made in China. Oui, Mais en plus, les il a Chinois des qui ont questions inventé trop la poudre à canon. faciles. A été facile cette question. Bah, Attends. quand on sait pas. Hein. Demande à C'est Lupi, jusqu'à pas. présent, il a bien réussi. Hein, Bah mon ouais, Lupi? trois d'affilée. Bah Il a ouais, eu t'as un vu coup de ces chance. questions. Eh ben, c'est bien Lupi, parce Ouais. que la prochaine question t'intéressera beaucoup. Alors, qui est l'héroïne de Notre-Dame de Paris? Top Oh départ. putain, mais non. Oh les questions. C'est T'es sérieux la reine d'Angleterre? Non. Attends, avant l'éclair, on va se marrer un peu. La reine d'Angleterre et l'héroïne Notre-Dame de Paris. Mais mec, quoi, t'arrêtes Non, c'est d'Angleterre. moi Oh l'héroïne, putain, tu putain. veux nous tuer là, Allez, bah, hein? éclaire. Eh Ne pas ben, lui pour dire, cette réponse, tiens, dis-toi allez que hop, c'est je faux. t'apprendrai. J'ai rendu que c'est Megatron, c'est plus malin. Non, c'est Esmeralda, Lucky. J'aurais dit Jeanne Bah, désolé, je d'Arc. savais pas. Jeanne Tu connais pas d'Arc, moi j'ai Notre-Dame de plus Jeanne Paris? d'Arc que lui. Non. D'accord, moi je veux bien que tu me Ta fasses culture de l'écran. merde. Moi là je dis hey, tu vois. Alors, Mathéo, question très difficile pour toi. Merde. Quel est le nom du mâle de la poule? Top départ. Le poulet. Le poulet? Attends, je vais te la répéter, je suis sûr que t'as pas compris. Putain. Quel est le nom du mâle de la poule? Quel est le Mec. nom du mâle de la poule? Tu réponds pas à cette question Ah bah juste, le je te poulet. jure, t'es une grosse Rip. merde. Le? Le poulet. Le poulet, ouais, Non, le d'accord. coq. Le poulet, t'es sûr? Non, j'ai dit le coq. T'en es sûr et certain, J'ai dit le coq. Mais j'ai dit le coq. Mais c'était trop tard, attends. Mais t'as pas dit stop. J'ai oui. Mais T'as répondu si. le poulet. T'as bien Lequel? confirmé au moins 15 fois pendant Oh les 15 merde. secondes. Hey, dites-vous qu'il a eu un coup de chance, lui, hein. Bon bah Lucky, t'as gagné. T'as le droit de revenir pour l'épisode final, donc le cinquième épisode, avec la Ah, y'a pas revanche de de tous les soucis. vainqueurs. Donc tu seras contre The Crafter, qui est le vainqueur du premier épisode. Oui, je sais. Bon, Avec je sais pas comment lui-même. il a fait, mais Ouais, il a parce fait. que on est bien foiré. Mais avant, j'ai envie de te poser la toute dernière question qui te concerne. Ok, vas-y. Pourquoi j'ai con? Alors, es-tu prêt, Lucky? C'est pour toi. Alors attention, concentre-toi bien, hein. Quelle est la capitale de la Pologne? Top départ. Oh mais putain, Mais c'est une blague. Et ouais, il fallait regarder l'épisode précédent. Eh ouais. Spouda et Smithy, Mec, moi c'est je Varsovie, putain. Béné, Bonne non, je... Merci, Exilis, pour la réponse que Lucky n'a pas su retrouver. Bon, Bon bah alors sur ce, Lucky, bah, pour le soulevez les tables plaisir de parce la que vidéo. le mec, attends, le gars a quand même une question du petit bonhomme en mousse, quoi. S'il te plaît, il y a respect, ok? Il y a un respect qui se fait quand même. Bon ben voilà, donc l'épisode est Et terminé. Donc moi, Lucky, pourquoi tu as j'ai vu gagné. ces questions-là, hein? Bah parce que toi... De toute façon, nous, on a les questions les plus dures parce qu'on est les meilleurs. Donc Ah Lucky, tu as gagné oui. Bah pour oui. cet épisode. Donc tu reviendras pour le cinquième épisode contre Ok. les vainqueurs. Donc ceux qui ont déjà gagné et puis les futurs vainqueurs.
C'était Hobb dans Thor, un jeu du tonnerre. C'était le deuxième épisode avec nos quatre participants. Donc je vous dis au revoir et à bientôt. On se retrouve pour le troisième épisode avec de nouveaux participants. Mais avant, revoyons vite fait ensemble la réponse de Mathéo à la question suivante. Alors, Mathéo, question très difficile pour toi. Merde. Quel est le nom du mâle de la poule, top départ? Le poulet. Le poulet. Attends, je vais te la répéter, je suis sûr que t'as pas compris. Quel est le nom du mâle de la poule? Quel est Mec. Le nom du mâle de la poule? Tu réponds pas à cette question juste, bah, je te jure, t'es une grosse merde. Le poulet. Le poulet, ouais. Non, le coq. Le poulet, t'es sûr? Non, j'ai dit le coq. T'en es sûr et certain? J'ai dit le coq. Mais j'ai dit le coq. Mais t'as pas dit stop. T'as répondu le poulet. T'as bien confirmé au moins 15 fois pendant les 15 secondes. Dites-vous qu'il a eu un coup de chance. Et bien voilà. Au revoir à toutes et à tous. Après cette petite partie de rigolade, je vous dis au revoir et à bientôt.